Salut mes amis, salut ma communauté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez fait un petit post tout à l'heure pour vous demander si vous étiez OK pour faire une petite vidéo ce soir. Ce ne sera pas une grosse vidéo parce que j'ai du contenu de la semaine dernière et quelques contenus de aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui on va parler un peu panneaux solaires, voilà, quelques bricoles à prévoir peut-être, je ne sais pas trop. Et on va également parler aussi un petit peu de l'orage. Du sable, de Sahara dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans la description. Et puis aussi, on va discuter un petit peu santé. Donc, je vous laisse découvrir ça en vidéo. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, d'activer la petite cloche, de vous abonner si ça vous a fait plaisir. Et si ça vous fait plaisir, c'est entièrement gratos. Alors, en début de vidéo, il y aura quelques séquences qui datent de la semaine dernière. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, j'étais déjà pas très bien, je le disais. J'avais déjà mal au cœur avant même d'aller aux urgences, déjà au moins une semaine ou deux avant. Alors, je pense pas que ce soit l'alimentation. Alors, j'ai reçu quand même quelques messages. Moi, je vais quand même être assez franc avec vous. Bah, je me fais plaisir dans les vidéos. Je fais ça aussi pour vous faire kiffer. Des fois, quand je suis dans le tipi ou dans le camion, faire de la petite bouffe sur le poêle à bois, etc. Donc là, c'est aussi pour vous faire kiffer. Rassurez-vous, je ne mange pas que ça. Et puis, de toute façon, ça ne regarde que vous et moi. Voilà. Donc bref, ce que je voulais vous dire, c'est que ne vous inquiétez pas, l'aventurier une obru, c'est un parpaing. Et même les parpaings peuvent être fragilisés. Donc j'ai fait les tests qu'il fallait. J'ai encore quelques tests en attente. Voilà. Je m'étais fait faire une autre prise de sang dès le lendemain des urgences, avec une tête comme ça. Donc on attend les résultats, on attend tout ça. Donc on ne sait pas d'où ça vient, mais question santé au niveau des reins et tout le tralala, c'est vraiment bien. C'est quand même, bon, il y a quelques carences, quelques petits trucs, mais franchement, honnêtement, c'est vraiment très bien. Donc pour quelqu'un, voilà, de mon âge, je suis pas trop vieux, je suis pas trop jeune, vous l'avez bien compris, je suis quelqu'un de très sportif de base, donc c'est peut-être ça qui me sauve. Donc je vous remercie énormément pour vos commentaires, les amis, pour vos commentaires qui m'ont fait un bien pas possible, vraiment grâce à vous. J'ai retrouvé le moral, j'ai eu le sourire après plusieurs heures, quand je dis plusieurs heures, pas mal d'heures aux urgences. Et ce médecin aussi qui m'a bien dépanné. Les médecins, tout le monde, voilà, gros big up à vous, grosse bise à vous. Vraiment, vous êtes vraiment là pour les gens. Donc, je voulais encore vous remercier. Donc, merci à tous pour m'avoir filé un petit coup de pouce, m'avoir fait avoir un peu le sourire, même si, voilà, j'ai encore un peu de mal là. On a quand même le soleil. A quand même une bonne santé, mine de rien. Après, il y a des problèmes, oui. On ne sait pas ce que c'est. Alors, j'ai des pertes de pêche. Un coup, j'ai plus de force. Un coup, il y a ceci, un coup, il y a cela. Après, je ne m'attendais pas à ce que vous me donniez un diagnostic. Vous êtes peut-être médecin, j'en sais rien. Mais on va laisser les professionnels de santé de mon côté privé se charger de ça. Je voulais juste vous donner des nouvelles. Comme je vous l'avais promis, on attend le verdict. Et on saura un petit peu. J'espère, pour la plupart, que vous n'avez pas été choqués par la vidéo précédente. Je voulais vraiment que vous sachiez que ça n'allait pas, au cas où. C'est toujours trop tard. C'est jamais trop tôt. Donc, j'ai pris les devants. Je me suis dit, ça ne va pas. On fait les choses. Et comme j'ai eu des antécédents cardiaques, je ne fais pas n'importe nawak avec ça. Donc, voilà, je ne prends pas à la légère tout ça. Il ne faudrait pas quand même que je me retrouve dans un état gravissime. Ou que la copine elle se retrouve toute seule, ou que ma famille se retrouve sans moi. On n'est jamais assez trop prudent. Allez, bisous à tous. Ciao, à tout de suite pour la vidéo. J'en profite qu'il flotte un peu pour nettoyer mon panneau solaire. Comme vous avez pu le constater, il y a un peu de pluie sur le panneau. J'ai mis un petit peu de produit avant. Je vais repasser un petit mouchoir, bien doux, bien propre, pas rayé ni quoi que ce soit. Il faudra vraiment que je nettoie le reste parce que c'est un peu vert. Il est beau ce petit panneau 200 watts. Enfin, ce gros panneau, quoi. Mes trompettes, là. Pour ceux qui n'avaient pas vu le dessus du camtar, on a mis un lanterne d'eau de 40. Et puis là, on a l'alimentation qui va au panneau solaire. Qui va en dessous direct. Dans le local technique. Je suis en chaussette. Hein. Il flotte. One again. Hein. Bon, j'ai nettoyé ça. Je vais repasser un petit coup léger, puis après je laisse tranquille, et puis après on va voir s'il recharge, parce que là il recharge plus.
C'est très important d'être très soigneux de son matériel, de faire très attention. Faut pas faire le bourrin, il est encore dégueulasse. Parce qu'il suffit, un petit truc dégueulasse et après normalement il recherche pas beaucoup, il recherche même pas. Là il était un peu verdi et c'est vrai que comme j'ai des batteries décharge lentes, je ne me rends pas forcément compte quand il recharge ou pas. Et vu qu'on n'a pas de soleil ou très peu de soleil, bah, il ne recharge rien du tout. Je fais très attention aussi à ne pas marcher là-dessus, ça peut le décoller. Ah Kiki, il flotte encore, hein. La météo est capricieuse. Aya, ya. Les petits toutous. Voilà, lui, il prête pas son bâton. Se mettre à l'abri les loulous, hein. Ça flotte là, ça flotte. Toujours en crocs, moi. Je crocs la vie à pleines dents. Ma poule. Donc maintenant qu'il y a le soleil, je regarde pour voir si. Ben, si ça recharge, si le panneau solaire il recharge. Mais j'ai pas l'impression qu'il recharge. On verra demain. De toute façon, je vais pas le démarrer. Je vais le laisser comme ça. Je vous tiens au courant demain de toute façon. Des toutous, des toutous, des toutous. C'est 30 millions d'amis ici. Eh bien, terrain. Terrain de la copine. Ah bah toi. Regardez-moi le système D de l'espace-temps. La petite pince qui va bien, qui me permet de tenir tout simplement. La grille pour les toutous. Juste en dépannage, système D. Et on se retrouve demain, bonne nuit à tous. Salut. Ah oui, on en a vu une belle là. Ça pète bien ce soir. Alors, il y a l'option méditatif ou l'option flippante. Ah ouais, ça envoie du lourd. J'espère qu'il n'y aura pas de grêle pour mon panneau solaire. De toute façon, bah, il ne recharge pas. Mais ça vient pas du panneau, je pense. Il faudrait pas qu'il y ait de la grêle qui me pète mon panneau. Oh. Oh la vache, putain. En plus, on a eu le sable du Sahara. Qui envoie dans le signe. Tchuss. On a eu le sable du Sahara qui a frappé. Pas mal quand même. Il y en avait partout sur le camion. Le fait qu'il pleuve, ça va nettoyer un peu. Oh bah j'ai pas pu trop avancer hein, étant donné que je suis pas très bien. Mais je voulais quand même voilà, vous montrer un petit contenu. J'avais commencé dans le début de la vidéo, bon après voilà, j'ai pas pu continuer. J'avais ça à fixer, j'ai pas mal de trucs à fixer, ça veut dire que je peux pas trop repartir au terrain avec le camion parce qu'il n'y a rien de fixé. Et comme il pleut beaucoup, ben il y a tout qui se casse un peu la gueule. Et c'est reparti! Ça pète de partout! Giboulée d'avril pour changer! À cette époque-là, l'année dernière, on était déjà. Oh putain, ça vient de taper là! On était déjà dans des beaux jours. Mais la semaine prochaine, ils annoncent du beau temps pendant une petite semaine. Ça va faire plaisir! Bon, bah, il est 23h. Quelques heures après ce petit orage. Quand je dis ce petit orage, voilà, voilà. Hein. Ça flotte sec. C'est bidon le camtar. Les chiens, ils sont dans leur panier. Nous, on va se mettre un petit truc sympa en partage de connexion avec le téléphone. Pour ouais, pas trop de réseau, mais ça devrait le faire. Et puis voilà, hein. On va se mettre bien. Bon, bah. Bon, allez, un peu dans les chaussettes. Ouais, désolé si vous voyez mes chaussettes. Voilà. Je suis vers la fenêtre, là, je me dis que voilà, bientôt je pourrai ouvrir la fenêtre pour faire dépasser mes pieds. Ah ouais, ça va faire du bien, je pense. Voilà. J'essaie de garder le moral à la patate. Pour vous, pour la communauté, pour tout le monde qui me regarde. Voilà, vous connaissez la chanson. Hein. J'essaie de me poser un peu ce soir tranquille et on verra la suite. Voilà.
les examens à faire et tout le tralala. Oh là là, quelle histoire. Ça arrive à tout le monde, de toute façon, ça fait partie de la vie. Hein. Moi, je connais personne qui n'ont pas d'emmerde, ça n'existe pas, les problèmes, tout le monde en a. Jean-Claude Bourdam, il dit, mais les problèmes, c'est bien. C'est bien, c'est pas bien. Voilà, ça arrive. Après, voilà, faut attendre le verdict, voir ce qui se passe aussi. Est-ce que ça va le faire? Il faut croiser les doigts et puis aller de l'avant et garder le moral, la patate. Vous êtes nombreux à me suivre, de plus en plus nombreux. Donc, je suis très respectueux par rapport à ça. Donc, je vous donne de mes nouvelles, c'est logique. Même si l'aménagement devait continuer, c'est un petit peu compliqué de le continuer. C'est pas qu'une question de météo, mais. Après, forcément, voilà, la météo, elle va changer. On devrait avoir une semaine de beau temps. Si je vais un peu mieux, j'essaierai de faire 2-3 prises où je continue un petit peu tout ça. Mais cette vidéo ne fera pas forcément partie que d'un aménagement. Que d'aménagement, voilà, je vais essayer de faire un peu de tout, mais surtout, voilà, c'était aussi l'occasion de pouvoir vous parler. Et de pas trop vous saouler non plus. Ah, des fois, je reçois des commentaires. Ah, tu parles trop, ça tourne en rond, etc. Machin. Oh là là. Mais faites mieux que moi déjà. Faites mieux que moi. Faites autant d'années que moi sur YouTube. Consacrez une bonne partie de votre temps sur YouTube, sur machin. Tout ça pour gagner quoi? Des fois 5 balles par vidéo. Et quand je parle euros, c'est en dollars. Hein, on est d'accord. Pour certains qui connaissent, c'est même pas des euros de base, c'est des dollars. Parce que c'est même pas la France qui finance YouTube, c'est pas. Voilà. Mais pour ceux qui connaissent, voilà. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur le truc. Je suis fatigué, je vais me poser vraiment avec un petit film, une petite vidéo tranquillou. D'un petit youtubeur. Tranquillou, on va voir ça. Enfin, quand je dis un petit youtubeur pépère. Après, je regarde aussi des youtubeurs qui font 200 000, 1 million de vues. Moi, je m'en fous perso. Je regarde un peu de tout. Je trouve qu'il y en a tellement qui mériteraient d'avoir plus d'abonnés pour ce qu'ils font. Je parle pas de moi, hein. Je parle des gens. Franchement, il y en a qui pourraient faire des millions de vues. Mais ça prend du temps et il faut pas lâcher. Il faut garder le morceau, la patate, le moral, la banane, tout ce que vous voulez. Voilà. Allez. Je vous laisse. J'ai mis un petit peu de Vicks sur la poitrine pour me faire respirer un petit peu tout ça. Je me suis massé un petit peu. Malheureusement, je suis toujours mal au cœur, donc bon, c'est comme ça. Je suis pas là pour me plaindre, mais pour vous donner de mes nouvelles, les amis. Donc, s'il vous plaît, au niveau des messages, soyez sympatoches. Allez, bis, bis, bis. Sous cette petite pluie méditative. Enfin, j'espère que ça partira pas trop en vrille. Après ce petit sable de Sahara, au moins ça va me le nettoyer. Allez, bise, ciao. C'est Minette qui vient prendre de mes news. Il fait beau, hein? Bah oui, on sort. Et en plus, on va aller dans le camion. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et voilà le travail. Et voilà la copine. La copine poilue. Oh la vache. Elle monte sur le bide, en plus elle n'est pas légère. J'ai mal au ventre. Oui. Heureusement qu'il pleut pas, sinon tu ne serais pas venu dans le plumard. Voilà, nos amis les bêtes qui nous donnent du réconfort dans les moments difficiles. Allez, pose-toi. Allez, pose-toi, petite baleine. Elle est dingue. Regarde à la fenêtre.
petit barbecue, tranquillou. On fait attention à la diète, vous inquiétez pas. On se met bien, j'ai le poteau qui est venu au terrain. Les petits oiseaux qui chantent, on sent que c'est le printemps, ça fait vraiment zizir. Ça fait vraiment plaisir, il fait vraiment chaud. Par contre, dans la tonnelle, c'est un four. Franchement, c'est un four de chez four. Donc, j'aère doucement. De toute façon, bientôt, je vais retirer les côtés parce qu'il faudra pouvoir respirer dedans. Ça sert à rien. La tente, ça va, mais bon, il y a des branches ici, c'est relou au-dessus, donc c'est pas terrible. Donc, on va essayer de faire attention. Ça a bien poussé, c'est un truc de fou. Petit siège de bar qui était à l'intérieur, que j'ai posé du coup à l'extérieur, qui me permet de prendre mon petit apéro, toute petite bouteille, tranquillou, au soleil, le soleil qui est parmi nous. Ma petite planche que j'ai faite, ça tient bien en plus. J'ai mis deux petits tasseaux là, deux tasseaux en dessous, et ça fait mon petit bar extérieur. C'est franchement nickel. C'est pas encore fini. On prend son temps et sûrement. Le petit apéro qui fait bien plaisir. Un petit verre. Je fais mon grand connaisseur de vin. Un petit Bourgogne Chardonnay 2022. Il est bon, jolie robe. Excellent cru, très très bon. Petit côté tannique automnal, rond de cuisse, belle robe. Les plaisirs simples les amis, le soleil est parmi nous, on en profite un max, on va pouvoir continuer un petit peu dans l'aménagement. Puis la semaine prochaine, ils annoncent un peu de beau temps, ce qui fait qu'on pourra un petit peu continuer aussi tous les petits trucs par-ci, par-là. À la fin de la vidéo, les amis, j'espère que cette petite vidéo courte vous a plu. Je vous ai donné des nouvelles, comme promis. On a parlé un petit peu d'autres choses. On a vu le panneau solaire, pas mal de petits trucs. Je vous réserve quelques petites surprises dans les prochaines vidéos. Je pense que ça vous plaira. Bien sûr, si la santé est de mon côté, on attend les analyser tout ça. Mais je ne veux pas non plus vous gaver la vie avec mes problèmes. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais pour répondre à vos messages et surtout vous donner des nouvelles, vous qui êtes si nombreux et de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Donc je vous remercie. Big up à vous. Grosse bise des loulous. Bise de moi, bise de tout le monde. Bise de l'aventurier. On se retrouve très vite pour la suite. C'était Nono. Ciao, ciao. Salut.